Salut, moi c'est Bilal et je fais partie de l'asso Parcours 59. Et moi je m'appelle Léa et je suis coach féminine à l'asso Parcours 59 aussi. Aujourd'hui on va travailler l'équilibroception ou le sens de l'équilibre. Donc on va avoir 4 exercices et qui vont en fait allier équilibre et musculation. Donc l'enjeu ici c'est vraiment de rester concentré malgré la douleur parce que l'équilibre ça demande beaucoup beaucoup de concentration et la musculation bah, ça fait mal donc. Voilà, ce qu'on va faire ici, ce qu'on va essayer de faire en tout cas, c'est rester concentré et cohérent dans l'effort. On commence ? On commence ! C'est parti ! Alors, on va commencer par un échauffement articulaire. Donc on colle les mains et on va échauffer les poignets. Dans un sens et dans l'autre. On va passer aux épaules, donc vérifiez bien que vous n'avez rien à côté de vous pour ne pas frapper dans quelque chose et vous faire mal. Donc on va faire des grands cercles. Et on va commencer à les rétrécir. Et on tient pendant 10, 9 et 10, dans l'autre sens. On fait des grands cercles et on les rétrécit aussi peu à peu. Ok, on passe au coude. Okay, ouais. Donc on va passer au coude maintenant. Donc c'est parti, on va faire des cercles aussi. Dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Non mais t'inquiète, t'as des coupes. De toute façon, Inch'Allah, Mathieu, tu coupes pas. Ensuite, on va passer au bassin. Au bassin. On va faire des grands ronds. Très marrant. Je vais faire du musique, peut-être. Non, pas comme ça. Donc, on va passer au bassin. Tu recommences alors que je suis en train de me ok, attends. Donc, on va passer au bassin. Donc, on fait des grands ronds. Et on change de sens. Ok, maintenant les genoux. Donc on va faire pareil, des cercles. Donc des petits cercles. Dans un sens, puis dans l'autre. maintenant on va venir descendre les jambes écartées, comme ça. Puis on remonte les jambes collées. On en fait 5, 2, 3. Merde, attends, plus grosse. Donc maintenant, on va venir descendre les jambes écartées. Non, bon. Donc maintenant, on va venir descendre les jambes écartées et on va remonter en les collant. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Sens inverse. Oh. Okay. Donc maintenant, l'inverse. On va descendre les jambes collées et remonter les jambes écartées. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et on va finir maintenant par les chevilles. C'est parti. Donc on va vraiment chercher l'extrémité à chaque fois quand on fait le cercle, dans un sens puis dans l'autre. Moi j'ai pas lâché ça te trouve. C'est chiant. On va changer le cheville. Toujours l'extrémité. Et on change de sens. Ok, c'est bon pour l'échauffement. On va passer aux exercices maintenant. C'est parti. Du coup, on va commencer par des squats. Pieds, largeur des épaules. C'est parti. 1, 2. Ok, maintenant on va s'attaquer au pistol, 10 de chaque chambre. C'est parti. 10, on change de jambe. Et si c'est trop difficile, on peut s'aider d'une barre ou d'une chaise. C'est bon.
Alors maintenant on va travailler l'extension des jambes. Donc le but c'est vraiment d'aller chercher la hauteur en se mettant sur la pointe des pieds. Donc on va faire 10 fois. 1, 2 et on redescend tout en douceur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant on va faire... maintenant on va faire 10 de chaque jambe. Et le petit truc, c'est si jamais on perd l'équilibre, c'est vraiment de fixer un point au sol. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, c'est bon. Maintenant, on va finir par gainage. On va compliquer un peu les choses. On va lever un bras, une jambe et on changera au bout de 10 secondes. Puis après, on ira faire aussi du gainage sur les côtés. Bon, let's go! On change de côté. Ok. On va faire du gainage maintenant sur le côté. 10 secondes aussi. Et on rechange de côté. Ok. C'est fini pour aujourd'hui. Alors maintenant on va continuer sur l'équilibre. Donc l'enjeu ça va être de tenir sur les mains pendant 20 secondes. Si jamais c'est trop compliqué, on peut s'aider d'un mur derrière soi ou bien même mettre un tapis pour éviter les risques de blessure. C'est parti. Thank you.